Il a gardé des glacières d'argent chez lui à la maison, en euros, en devises. Il y a des dollars, il y a des euros. Batubake sa vol, Batubake kuna ba yibi, ba gardien ne bake ba yibi mbongo. Ils ont pris ça, ba memi Brazzaville, ba zo sa ba luenge, ba kangi bango chez le colonel Londo. Jean-Jacques Bouya et la caverne d'Ali Baba. Denis Sassou Nguesso au bord de la trahison. J'aurais pu me passer de cette information troublante et choquante. Un proche du petit-fils du despote Denis Sassou Nguesso, Gildas Amende, fait des révélations outrancières sur la caverne de Jean-Jacques Bouya, qui aurait été victime d'un cambriolage de plusieurs milliards de francs CFA. Une somme qui donne le tournis lorsque l'on connaît l'état dans lequel se trouvent les finances publiques au Congo. Bonsoir mes chers compatriotes congolais, ici votre frère Armand Dozo depuis Paris. Vous savez, la loi congolaise nous permet de dénoncer quand il y a quelque chose. Il faut dénoncer. Vous savez, il y a deux semaines cela, le ministre Jean-Jacques Bouya, il a gardé des glacières d'argent chez lui à la maison en euros, en devises. Il y a des dollars, il y a des euros. Batubake sa vol, Batubake kuna ba yibi, ba gardien ne bake ba yibi mbongo. Ils ont pris ça, ba memi Brazzaville, ba zo sa ba luenge, ba kangi bango chez le colonel Londo. Londo a kangi bango, a tibana commissariat. Il y a une personne qui est venue le faire sortir de là. Après, c'est Londo Mango, Londo corrompu, mais on a arrêté de voleurs. Yo, tu viens faire l'intervention pour des voleurs. Tu es qui, au fait, pour des voleurs? Oza papa na bango, toza noko na bango, toza camarade na bango, te paske, on t'a dit qu'il était un billet à gratter. Oye, au sale intervention, aux yeux bango, au PCP Londo Mango, Londo pe commission centrale corrompu. Ils sont tous des complices. C'est que je vous dis, j'ai des preuves. Sinako Sibino. Moi je demande au ministre Mboulou, tant que il y a des problèmes de la République et qui n'a pas télé. Je demande au ministre Mboulou et je demande à le général Obara va interpeller Londo, va interpeller na Ibarra. Ibarra c'est l'ex chauffeur de Madame Inès Nguesso. Va interpeller Bango. Maintenant si c'est faux, moi je vous emmène les preuves. Horrible. Président, tu es bien foutu à Batou chaque le 25. Mais ils ont des glacières d'argent chez eux à la maison. En plus, au village Toloba, il y a des gens qui n'ont pas des gens. On va te chercher. Moi, je suis le fils. Ce témoignage n'est pas une exception lorsque l'on connaît la nature du régime qui a pris en otage la République du Congo juste après le coup d'état militaire de Denis Sassou Nguesso de juin 1997. La corruption et le pillage des deniers publics ont une bonne presse au sein de ce régime. Que d'ailleurs, certains acteurs politiques de l'opposition n'ont cessé de dénoncer. Les inégalités et les injustices sociales, criades, favoritisme, clientélisme, népotisme, ethnocentrisme, régionalisme, prévalence ethno-régionale. La familialisation de l'État. Et le noyautage clanique des postes de responsabilité dans les secteurs stratégiques, finances, marchés publics, grands travaux, hydrocarbures, armées, gendarmerie, police nationale. La cooptation complaisante de la médiocrité aux postes de responsabilité dans la fonction publique en général, au sommet de l'État en particulier. L'enrichissement illicite des tenants du pouvoir, les détournements des deniers publics, l'appropriation personnelle des biens de l'État, la concussion, la corruption, le droit de frissage. Le placement de l'argent public détourné dans des comptes privés ouverts dans des pays étrangers et des paradis fiscaux. Panama, Chine continentale, Hong Kong, Singapour, Brésil, Canada, Monaco, Pays-Bas, Espagne, Île Vierge, Saint-Martin, Seychelles, RDC, Maroc, Guinée-Conakry, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar. Le blanchiment par les tenants du pouvoir de l'argent public détourné à travers, d'une part, la prise illégale d'intérêts
dans les entreprises publiques ou les institutions dans lesquelles l'État a des intérêts, et d'autre part, la création d'entreprises privées par des intermédiaires libanais, chinois, indiens ou rwandais. En effet, le partenariat public-privé, tant vanté par le pouvoir, est une ruse politique inventée par lui pour permettre à des tasses tenants de recycler l'argent public qu'ils ont détourné et placé dans les comptes privés à l'étranger. Le problème, c'est que le gouvernement est bloqué. Le gouvernement est bloqué pourquoi? Parce que le gouvernement se rend compte que pour relancer l'économie, pour s'attaquer à un certain nombre de problèmes, nous avons besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Et ils s'interrogent où le trouver. Et là, moi, la réponse que je leur donne, ce n'est pas au Fonds monétaire international qu'on va le trouver. C'est pour ça que je pense, comme cela n'est pas apparu clairement, je dis que cette étude n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre que le gouvernement doit prendre en ligne de compte, c'est que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde et qu'on ne peut pas se développer si on ne lutte pas contre la corruption. Il y a 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se sont évaporés et on ne va pas continuer à rester silencieux là-dessus. Le président de la République, d'ailleurs, a dit qu'il n'y aura ni petits poissons, ni gros, ni groupes frétins, et que tout passera par la nasse du droit. Seule la loi prévaudra. C'est le moment où il faut effectivement faire jouer la loi là-dessus. Nous allons également rappeler qu'il y a 6 Congolais qui détiennent par devers 5 500 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Bouya, le tout-puissant neveu du dictateur Denis Sassou Nguesso, n'est pas à son premier forfait. Son nom est apparu dans plusieurs affaires de corruption et de détournement de fonds publics. Selon certaines sources bien introduites au sein de la dictature congolaise, ce dernier nourrit un appétit manifeste pour la magistrature suprême. Son nom avait été cité dans une affaire de coup d'État. Jean-Jacques Bouya et le vol, c'est une affaire de cœur et de coups de foudre. N'avait-il pas dit que le verre était dans le fruit? Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est que il y a le verre dans le fruit. Il y a effectivement le verre dans le fruit. Et nous devons détruire le verre qui est dans le fruit.